L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume... Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrick. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Et j'ai entendu Hendrick hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Il manquait plus que ça. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non, ils ne comptaient pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère.
sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Jette valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit ? Intéressant. Un registre ? Paiement pour un sac de grains, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés. Cicatrice au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Oh, tout doux, ma belle. Le baron est là ? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. La croisée des chemins, t'avais payé une tournée. De mémoire, t'avais une autre route à prendre. Elle m'a conduit ici. Faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent ? Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris ? C'est bien compris. Garde vous a appelé sergent. De l'armée de Téméria ? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur ? Il n'y a plus d'armée, de Téméria. Alors que faites-vous tous ici ? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix.
entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Temeria bien-aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalité font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? Ah, la voilà. Un petit verre ? Pourquoi pas ? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Velen ? C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Tu peux venir.
Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ton père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous partie de la maison? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc, énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aura pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé.
Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? Il fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non. Une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses? C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Fais sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Raclée, il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, monseigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené, Manon? Ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Faut le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût? Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut! Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et? Ah, la suite devra attendre. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché.
Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde! Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par « disparu » ? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elles n'étaient plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorée. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Je sens le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Vous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. Alors retour, je veux que tout soit à sa place. Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis. Bois de santal et autre chose. Du safran. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Tu dois être Gatka? Oui, et toi tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, tu as les cheveux blancs et un médaillon en forme de loup. C'est Ciri qui m'a parlé de toi. Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Ou ce qu'elle était venue faire ici? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Mais si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvé. Je me demande si elle a pu aider son ami. Tu sais où se trouve Ciri? Non, un jour je lui ai apporté le déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où? Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Ciri m'a laissé un cadeau. Un cadeau? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien, ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Merci, Gatka. Amuse-toi bien. Mais je m'amuse pas, moi, je travaille. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Thank you.
Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah, on s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Quelle sale tronche. Bon sang. La piste disparaît. On trouverait peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez. C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Trismerigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. C'est donc censé être Tris. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Son portrait craché. N'est-ce pas? Le temps a fait son œuvre, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. C'est pas ce temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse.